un sourire peut vous rajeunir de 10 ans. Il faut sourire, il faut être content dans cette très belle cérémonie nuptiale de la demoiselle Sheila et notre frère Luther. À présent, mesdames et messieurs, sans transition, nous allons assister par des personnes qui vont apporter des cadeaux, okay, des chants spéciaux pour féliciter notre bien-aimé frère Luther ainsi que la sœur Sheila. À présent, mesdames et messieurs, à nouveau avec les mains, notre maestro Jeff Aristide dans un morceau très spécial. Applaudissez très souvent, performez pour féliciter notre bien-aimé frère Luther. Thank you.
um jeito mais especial para cantar mais música. É safa de música. Thank you.
les plus belles, monsieur, applaudis, c'est un cheveu blanc. Ok, d'accord, ainsi, alléluia. Ça a été truffé de bénédiction, de grâce. Espère que les futurs mariés vont les garder pour que leur mariage soit prospéré à tous égards. En effet, mesdames et messieurs, nous avons une femme de plus à faire dans cette salle. Elle va nous, dédicacer un très beau morceau. C'est bien notre bien-aimée, la sœur Jorane. Applaudis très fortement, mesdames et messieurs, l'arrivée de Jorane qui va bénir. Je ne suis rien que n'est requis.
et mademoiselle qui est là, l'institution du mariage dans laquelle vous voulez délibérément vous engager est la première et la plus vieille institution établie par Dieu, le créateur au début de l'humanité et régie par législation haïtienne, bien entendu. Jésus-Christ a honoré cette institution de sa présence aux noces de Cana, en Galilée plus particulièrement, où il a accompli son premier miracle. L'apôtre Paul, à travers ses épîtres, met en évidence la respectabilité et l'honorabilité du mariage. C'est pourquoi il importe que vous vous pénétriez du sens profond et des implications sérieuses de l'acte que vous posez aujourd'hui. La parole de Dieu déclare péremptoirement cette piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de se réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Selon Proverbe chapitre 20, verset 25. Le mariage est une communauté de vie. Vous vous devez mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Sa construction exige que vous respectiez la crainte de Dieu dans le mariage et que vous fassiez preuve de sagesse, de patience, de tempérance et de maîtrise de soi. Exhortation à l'Assemblée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, dans le nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour être témoins d'un événement exceptionnel. Cet homme et cette femme que vous voyez là désirent ardemment et sûrement s'unir dans les liens sacrés du mariage. À ce que ces deux personnes ne puissent pas s'unir dans le lien du mariage. L'heure est arrivée. Regardons Luther. Avant que nous allons, Luther doit regarder Sheila dans les yeux. Regardez Sheila dans les yeux. Est-ce que c'est trois Sheila? Luther, tu regardes Sheila. Luther. Luther. Applaudissez, mesdames et messieurs. Verset 25. Le mariage est une communauté de vie. Vous vous devez mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Sa construction exige que vous respectiez la crainte de Dieu dans le mariage et que vous fassiez preuve de sagesse, de patience, de tempérance et de maîtrise de soi. Exhortation à l'Assemblée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés dans ce sanctuaire en présence du Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour être témoins d'un événement exceptionnel. Cet homme et cette femme que vous voyez là désirent ardemment et sûrement s'unir dans les liens sacrés du mariage. Alors, comme j'avais dit tantôt, si quelqu'un d'entre vous peut prouver qu'il y a quelque juste empêchement à ce que ces deux personnes ne puissent pas s'unir dans le lien du mariage, j'avais demandé à quelqu'un dans la salle de bien vouloir porter le doigt. Puisqu'il n'y a personne, puisqu'il n'y a pas d'empêchement, alors, mesdames et messieurs, que vous attendez, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Regardons Luther. Avant que nous allons, Luther doit regarder Sheila dans les yeux. Regardez Sheila dans les yeux. Est-ce que c'est trois Sheila? Luther, tu regardes Sheila. Sheila, est-ce que c'est trois? Quitte le micro avec Luther. Vous demandez, est-ce que c'est avec Mounsa exactement? Est-ce que c'est Mounsa des souhaitables, Luther? Applaudissez, mesdames et messieurs. Arrangez le microphone, s'il vous plaît.
C'est bon? Ok. Tu regardes, c'est là, recevoir un ange tombe du ciel ce matin. Hein? C'est bon? C'est bon? Vous entendez, mesdames et messieurs? Ah, prends ça. Moi, je vous entends. Ah oui, devant toute l'assemblée, toutes les personnes qui sont là, Luther a trouvé ces Sheila. Ces Sheila, et Sheila a trouvé ces Luther. Donc il n'y a pas d'empêchement pour ces deux personnes. Alors maintenant, la question que je vais poser à Luther, Luther va répondre oui ou non. Jusqu'à présent, Luther a la possibilité de dire non. Parce que Proverbe chapitre 20, le verset 26 dit que c'est un piège. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. Prendre cette décision. Oui, je veux. Oui, je veux. Toi aussi, tu veux. Je t'aime autant que ta nouvelle langue. Je suis complètement sous ton charme. J'aime ta douceur, ta tendresse. Aussi t'embrasser pour goûter ta douceur voix. Alors, pasteur, je le veux. Applaudissements. Mademoiselle, qui est là, voulez-vous prendre? Regardez Luther dans les yeux. Voulez-vous prendre Luther pour votre époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Luther, Nicolas, mon diable, je t'aime autant que le prétend que je vois dans tes yeux maintenant. Je ne te laisserai pas tomber, toi qui as besoin pour lui de moi. Merci, soyons heureux pour que nous restions sans moi. Alors, pasteur, je le veux. Applaudissements. Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer et l'honorer en tout temps et en renonçant à tout homme? Voulez-vous attacher à lui seul tant que vous vivez tous les deux? Luther, encore une fois, comblé d'amour, tu es beau chaque jour. J'aime ta voix, t'embrasser et heureux. J'espère que tu resteras toujours amoureux. Douce couleur dans ma vie, tu es arrivé, je t'offre chaque jour mille baisers. À toi, mon amour, j'espère pour toujours. Alors, pasteur, je le veux. Applaudissements. Que Dieu vous entende, la sœur, et qu'il sanctionne et bénisse votre engagement. C'est le tour de Luther. Bah, qui ça, Luther a dit? Mais Luther, c'est ton tour. La question s'adresse à Luther. Frère Luther, Nicolas, est-ce vrai ou voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Sheila et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Luther. Pourquoi? Parce que oui, je le veux. Voulez-vous lui
l'aimer, la chérir, l'honorer en tout temps et en renonçant à toutes les autres femmes qui sont ici et ailleurs. Voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous vivrez sous les cieux, partout et ailleurs, peut-être. Tellement, pasteur, oui, je veux. Applaudis, mesdames et messieurs. Pardon. Que Dieu vous entende, qu'il sanctionne et bénisse votre engagement. Maintenant, joignez-vous les mains. Changez de place. Tiens, Claire, avancez. Ok. Joignez les mains, s'il vous plaît. Les mains droites. Et que l'homme dise après moi. Mais non. Mais droite, moi, ça. Mettez mes mains ensemble. Ok. Luther, tu vas répondre. Moi, Luther. Moi, Luther. Je te prends pour épouse. Je te prends pour épouse. Pour ma femme. Pour ma femme. Et mon épouse. Et mon épouse. Légitime. Légitime. Je promets devant Dieu. Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, que je te garderai dès aujourd'hui dans les bons, dans les bons et dans les mauvais jours, dans les mauvais, dans la prospérité, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. Dans la maladie. Je promets de t'aimer, de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement au nom du Père, au nom du Père, du Fils, Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Chéri. Regardez Luther dans les yeux. Moi, Sheila, je te prends pour mon mari, et mon époux légitime. Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui. Dans les bons et dans les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer, de te chérir, de te chuchoter, de te garder jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'espère que tu as un petit cadeau, oui. Hein? Un petit cadeau de poté, hein? Ce matin, je vais t'offrir
t'offrir cet anneau. Cet anneau. Et je te prends. Et je te prends. Pour moi. Pour moi. Je te donne cet anneau. Je te donne cet anneau. Comme un signe. Comme un signe. Comme un signe. D'engagement. D'engagement. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Maintenant, notre invité, quand vous passez, on va prier pour vous. Vous allez vous faire un état genou. Nous allons prier, le Seigneur, pour que Dieu puisse bénir nos groupes. Car comme j'avais dit que le mariage, c'est une vie dans la vie. Donc il faut les bénir à ce que leur vie soit heureuse. Alors, prions ensemble. Querido Deus, Pai maravilhoso. Nós estamos, Senhor, neste lugar. E em Teu nome, Senhor, nós queremos abençoar a vida, Senhor, do Lúter e da Sheila, Senhor. Que a Tua boa mão, Senhor, estenda sobre eles, Senhor, dando cuidado à Tua proteção. Dando a eles, Senhor, a sabedoria para conviver juntos. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, una eles a cada dia em amor, em fé, em comunhão, em verdade, em sinceridade. Que eles tenham, Senhor, no seu coração a disposição, Senhor, para viver uma vida juntos e te servindo juntos. Eles possam caminhar, Senhor, Senhor, peregrinar os dias, Senhor, até que o dia o permita, Senhor. A partida de um deles, ou até mesmo a sua vinda, Senhor. Pai, abençoa eles. Renova eles a cada dia, Senhor, com tuas bênçãos e com teu cuidado. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. C'est deux personnes qui prennent un engagement sacré. Donc il faut les aider en toutes les choses, mesdames et messieurs. Donc maintenant, juste avant de passer à une autre chose, et ce qu'on appelle la signature par le bac, donc nous allons écouter attentivement une personne qui chante à la fois mélodieuse. Et qui va nous donner une interprétation, bien entendu, c'est bien Josué Adelson Jean. Donc, a beautiful mind, I'm on your magical mystery ride, and I'm so easy, I'm all over me, and I'll be alright, my head. Oh,
Avec plaisir, nous allons céder le confort avec un homme de prise à faire qui va nous bénir à travers la parole de Dieu. Donc je cède le microphone à notre bien-aimé évangéliste Woodson qui va présenter à nous ce matin la personne qui va faire l'homélie du jour. Aos noivos, pastores e todos os amigos, que Deus abençoe a todos. Vamos ler a palavra de Deus. E cunha anuli paolo mondia Gênesis capítulo 2 chapitre versículo 18 C'est première fois la vision mariage et haïtien qui t'a expliqué nous avant même fazendo menção da palavra de Deus é dizer a vontade de Deus para nós. Faire mission parole mon Dieu, c'est faire volonté mon Dieu dans la vie. Et que Dieu disse à l'homme quand il créa. Ok, ça mon Dieu dit avec l'homme, il a créé l'homme. Et ça, c'est ce texte que je veux lire. Et dans le texte, ça, il a lire aujourd'hui. C'est Genèse, chapitre 2, verset 10. M'appelez pour nous. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse chapitre 2, verset 18. Ok, Dieu dit si un homme, qui sait bon Dieu dit avec l'homme, non est bon qu'il vive seul. Il n'est pas bon pour l'homme capable de vivre seul. Un jour, Dieu dit, lutter. Un jour, bon Dieu, ouais, monsieur, lui dit.
Il dit, ce n'est pas bon que l'autre fique seul. Il dit, ce n'est pas bon pour s'éviter à arrêter lui-même seul. Vou fazer para ele uma ajudadora. Li a fé por li, yon moun ki pou eder, yon ed, Jean Paul a di. E sem que ele nem pensou. Mas ele lui de pas penser avec qui est-ce que Dieu t'a choisi pour aider. Deus colocou a vontade dele dia para nascer. Bon Dieu te mette volonté pour le capable de faire. Para fazer no lutter. Voilà, pour le capable de faire, un homme feliz. Un homme qui bien et joie. Et donc Dieu fait Sheila. Bon Dieu fait Sheila pour faire lutter. Ainsi que Sheila, dans la même façon, Sheila aussi. Deus olha para ela e diz, eu vou colocar ela junto de alguém. Bom dia, ele vai me puxar lá e dizer, ele vai me deixar lá, avec o mundo, mesmo por como ele, que mundo no mesmo não chega. Que vai honrar, que vai respeitar. Que vai respeitar, que chega para respeitar o mundo, sabe? Então Deus fez tudo. Dieu fait M. Luther boucher là, sans M. Luther va penser, est-ce que c'est Sheila, Jodia, qui t'a madame. Un plan de Dieu. Il y a un plan pour Dieu. Pour tous les hommes. Pour tous les garçons. Pour qu'ils ne vivent pas seuls. Pour tous les garçons, pas vivre seul. C'est triste de voir une personne seule. Les mots, les tristes en pile, pour qu'il y ait un garçon qui est seul. Para aqueles que estão só, Deus quer fazer você feliz. Por Yunano que sei lá, bom Dieu voulait faire nous content. E Deus tem um presente muito bom dele para você. Bom Dieu serve e um presente para nós que vraiment bom. Assim como Deus presenteou Luther, je dis à comment bom Dieu présente Luther. Deus quer presentear aqueles que ainda estão sozinhos. Bom dia, vou apresentar avec chaque garçon, chaque fille qui sert no dia. Bom dia, fé que no botão, avec um bom filho e um bom marido. Quero dizer a Luther, então, a Sheila. Livre de avec Luther e Sheila. Que a Bíblia continua a falar e dizer. Bíblia, ele continua a falar e vou dizer. O homem deixará pai e mãe, garçom de bonita mamãe a papá, para se unir à sua mulher. Por capaz de unir ensemble avec femme, avec madame. E eles se tornarão uma só carne. E na fé de um ser cheio. E quando Deus disse se tornarão ou vão se unir. Quando Deus disse nous para unir ensemble, nous para faire um ser cheio. Porque só dará certo o casamento se houver união. Mariage da abai, tudo bagai vrai, se leve a união da copo guini. O casamento que não há união não dará certo. Yon mariage que pague ni, pague bom mariage. É como uma casa mal construída. É, se como se te gabi, yon cai que construí, mete mal construído, pague as bases. Uma hora, cara. E não leva o saco e leva até ligado. Se tem mesmo que um que marie, que pague uni, que pague o amor, e eu levo o saco até ligado. É por isso que muitos casamentos não dão certo. E por isso mesmo, a pil mariage para poder fluir. Porque não fazem a vontade de Deus. Porque eu para fazer vontade bom dia. Para dar certo o casamento, para o mariage já capaz de ter bom. É preciso se unir. Livre sué que demônio unir tudo. Por isso Deus disse: deixa pai, deixa mãe. Se você não te diz, que tem mamão a papo. Porque até então, o homem, a mulher, é muito ligado ao pai e à mãe. Porque pode ter um homem que se gasta uma efiável, eu tenho extremamente conectado com a mamãe. Se você não diz, que tem mamão a papo. É preciso então que eles decidam viver uma vida só, juntos.
limité pour Monsieur Dario, Moukou Mario, capable de vivre une vie, yodéa et yodé, yomem chef. Un casamento sera certo si eles obedecerem a Bíblia. Pour mariage est capable de rester bon, pour le porter fruit, il faut nous obéir avec la parole de Dieu. Porque hoje, Lute e Sheila estão iniciando a sua vida. Jodi a Lute e Sheila já iniciou uma nova vida, começou uma nova vida, tudo neve, se viu mariage. Eu não sei como ele aproximou vocês. Lui, par contre, que já podia fazer por nós. Talvez foi aqui no Brasil. A parfois, c'est Jodi a Brésil, não encontrei, c'est Brésil. Será que foi aqui no Brasil? É aqui, na Brésil, não encontrei? Não. Já lá, em Haiti? Lá no Haiti. Já vieram com um apaixonado de lá? 5 anos já faz. Que esse amor que começou, que l'amour sacré que commencé, ele possa permanecer até o fim. L'incapabilité jusqu'à la fin. Pelo que ficam unidos. Com nos capabilités unidos. Não deixe ninguém. Para que tenha pessoa. Entrar entre vocês dois. Rentrer na vida do bem. Não permita. Para permitir pessoa. Que algo entre. Pessoa entre. Que faça. Que venha enfraquecer vocês. O capaz de retirar a amizade, retirar a amizade, retirar a amizade. Amigos. Amigos. Amigos que são mais importantes do que o cônjuge, que a esposa ou o esposo. Amigos que depende importante para o monsieur ou a madame, não. Eles enfraquecem. Lhe capaz de feblir. Quando o trabalho é mais importante do que o casamento. Quando o trabalho é mais importante para se mariar, lá. Quando o dinheiro é mais importante que o casamento. Lhe, l'argent, plus important para se mariar, lá. Então enfraquece o casamento. La grande mariage la fé. Pelo que precisa, no besoin, amar a Deus, a bon Dieu, acima de tudo, além tudo. E em segundo lugar, não, c'est deuxième lien, amar a família, aimer famille, e depois as outras coisas. E après pour aimer l'autre. Pelo que primeiro Deus, premier bon Dieu, segundo o esposo, o esposo. Désir de nous aimer, madame, madame de nous aimer. Então dá certo. Abaye, vrai résultat. Amen. Amen. Et est-ce que nous allons la prière pour nous remercier mon Dieu? Et vous pouvez dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez la main de nous, vous avez dit que vous avez dit que nous sommes des gens. Nous tous nous capables de camper. Et mon fazer parte desse casamento. C'est um belo bagaço para mim, para eu fazer parte do mariage lá. Todo mundo que mange mesmo, um tap mari, que mari de jaio. Convidar os pastores. Dá para de pastear. Bom Deus e Pai, nós queremos, Senhor, mais uma vez, pedir ao Teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que Ele venha habitar na vida deste casal, guiar eles pela verdade, guardar eles em amor, guardar eles unidos, ajudar eles nas dificuldades. Espírito Santo, entra e habita na vida deste casal. Que eles possam contar contigo. E que tu sejas bem-vindo dentro da casa deles. E que tu venhas coroar eles de bênção, de vida e de proteção. Pai, estenda o teu reino sobre a vida deles. Diga-se, diga-se. Pai, bom dia. Estenda o seu reino. Que reino sobre eles? Não la viu. E que o casamento deles, que mariage-nos, esteja debaixo do teu cuidado. Rete en bas, proteção, bom dia. Todos os dias. Pour les jours.
aonde eles forem, a qualquer lugar, nos seus sonhos, no resto, nos seus projetos, no projeto, na prosperidade, na prosperidade, seja o teu cuidado, que pode prosperar, guarda eles, guarde-lo do mal, do mal que investe contra o casamento, que afine contra o mariage, da mulher, de mufia, prostituta, prostituta, do homem, de homem, prostituto, prostituta, para que eles, por muito se conservem, por ele, um para o outro, um e um para o outro, que a bênção do Senhor, que ponte benigno, repouse sobre ele, repouse sobre ele. É o que eu peço. Esse é salmo de. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Muitas graças. E ponte benigno do Gabachita. E agradecer a Deus e agradecer ao pastor e por a mensagem e nous voulons tout avec patience et nous voulons passer ensemble avec ces vidéos. Nous voulons faire un petit répéter chez moi pour dire merci Dario, tentez sa pasteur à dire. Si pasteur a été temps, il t'a plus de messages et message là son gros message. Nous allons respecter l'autre, nous allons vivre ensemble. Mariage pas facile, mais avec Jésus-Christ, lui facile. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu vous suive. Amen. Appréciez avec un bel bravo, parole de Dieu. Et maintenant, c'est tout le monde qui a suivi ton programme que, comme à l'accoutumée, nous faisons présentation concluant en dernier. La bénédiction, la prière, et puis tout de suite, la présence des couples pour que nous avons le temps pour faire photo, pour pouvoir faire tout ça que vous faites après ça que nous fait. Alors, j'invite avec notre soeur, oui, madame Letty, qui va cantonner ensemble le calme 3, mélodie de Spoff. L'assemblée est priée totalement de se lever pour clore à la gloire de Dieu. God of fidélité, oh Dieu.
prière de sa cœur. Seigneur Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre, rédempteur de l'homme, pécheur, dispensateur de dons et de grâce, nous t'adorons et célébrons ta bonté et ta fidélité. Nous te présentons cet homme, Luther, et cette femme, Sheila, qui viennent de s'engager dans le lien sacré et insoumis du mariage. Maintenant, ils se jettent à tes pieds, bénis et suppliant de prendre en charge la destinée de la communauté dont ils jettent la fondation. Qu'il te plaise de répandre sur eux une abondance de grâce et bénédiction, afin que la joie, la paix, la prospérité et le bonheur les accompagnent et que leur mariage soit couronné de succès. Reprends dans leur cœur ton amour, ta patience, ta sagesse, ta force, ta puissance, de telle manière qu'ils puissent assumer valablement leur responsabilité de fidélité et de secours mutuellement à venir, avant les difficultés inhérentes à la vie conjugale, dès le soutenir de Christ, auquel soit gloire, l'honneur, adoration au ciel des siècles. Amen. Quel est Dieu tout puissant, tout aimant et tout bon, tout sa face sur vous, qu'il vous fasse sa grâce, qu'il vous remplisse de son amour, qu'il fasse de vous et de votre foyer une source de joie, de paix, d'harmonie, de bonheur, dès maintenant et à jamais. Assemblée à votre chita pour notre présenter pour là. S'il vous plaît, pour faire la présentation. S'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au bout du rouleau. Et déjà, merci à tous et à toutes. On se rend compte dans 50 ans pour les non-stop. Ok? On vous souhaite un beau travail déjà et une longue vie à eux. Maintenant, l'implication de ce mariage va être de... L'implication de ce mariage va être faite conformément à la loi. Aucune opposition ne nous a été signifiée à la question s'il consent à se prendre pour époux. Monsieur Luther et mademoiselle, ou bien madame Sheila, répondu chacun séparément et affirmativement en présence de Dieu et de cette assemblée, ils ont fait une démonstration de leur alliance en donnant et en recevant un anneau. Moi, en vêtu de l'autorité qui m'est conférée en tant que ministre de l'Évangile et conformément aux lois, je vous déclare mari et femme. Alors, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le nouveau couple. Monsieur et madame, ils sont mari et femme. Alors, monsieur Luther, donc il va accueillir sa femme comme à l'accoutumée. Le baiser traditionnel, parce que tout le monde témoigne que ces deux personnes sont unies dans le lien du mariage. Accueillir sa femme avec un baiser traditionnel. Regardez la télévision. Allons regarder mes amis. Ça c'est le témoignage là. Et puis tout est fini. Et on a des deux parties. Thank you.
Que ele venha habitar na vida deste casal. Guiar eles pela verdade. Guardar eles em amor. Guardar eles unidos. Ajudar eles nas dificuldades. Espírito Santo, entra e habita na vida deste casal. Que eles possam contar contigo. E que tu sejas bem-vindo dentro da casa.